aujourd'hui, les amis, dans Roblox, on va tenter d'obtenir la meilleure évolution d'avion en papier possible. Mais pour cela, il faudra bien évidemment gagner de l'argent en essayant de le lancer le plus loin possible. Et en plus de l'avion en papier, il nous faudra un petit peu de force. Et on a actuellement 100 de force, ce qui me paraît quand même plutôt pas mal pour un premier lancer qui, je l'espère, nous permettra directement d'acheter des meilleures pets. Et c'est parti, hop là! Je m'attendais à pire pour un premier vol et franchement, c'était finalement pas trop mal. Donc on a gagné 67 pièces et on a la possibilité de récolter tous les origamis ici qui vont nous permettre donc d'augmenter notre force. Et ici, on va pouvoir débloquer les prochains avions. Alors pour l'instant, il nous faut 10 000 pour le premier. En gros, c'est le même que moi, mais en blanc, mais avec le bout un petit peu pointu parce que là, c'est vrai que c'est peut-être pas très pratique comme ça. Allez, je vais refaire un lancer pour passer au-dessus des 100 coins qui vont nous permettre donc, hop là, d'obtenir notre premier pet. Alors évidemment, j'ai pas gagné tellement force, donc on n'a pas été beaucoup plus loin. Par contre, cette fois-ci, on a la possibilité donc de prendre notre premier pet qui, je l'espère, nous permettra de progresser bien plus rapidement. Et on a directement Epic. Cette vidéo commence parfaitement. Je viens donc d'avoir le pet à 5%. Quel coup de chance. Alors, ça a augmenté ma force de base qui est maintenant passée à 450, ce qui amène le total à 479 et ce qui nous permet déjà de faire des lancers beaucoup plus intéressants. Maintenant, il faut qu'on monte absolument aux 10 000. Mais attendez. Non, j'ai lancé. Non, je voulais pas lancer. Hop là. Juste avant, on a tout intérêt à compléter notre équipe donc avec 3 pets en espérant qu'on ait 3... Non. Faut pas rêver non plus. Il faut bien qu'on ait les chats et évidemment les chiens. Attention, c'est maintenant. Alors, ouh, pas mal. J'ai parlé un petit peu vite. On a maintenant une base de puissance qui est à 1000. Alors, ça sert pas à grand chose, je pense que je ramasse quoi que si. Oh, ça permet d'augmenter une vitesse de fou. Et les rouges, là, ils doivent être incroyables. Ah, la zone VIP. Ouais, écoutez, on perd pas de temps. Je le prends direct et on va aller ramasser, voir éventuellement ce que ça permet d'avoir. Est-ce que c'est bien ou pas? Ah, ça permet, ouais, déjà de passer à 2000. Écoutez, même pas besoin de m'embêter à aller sur la ligne de départ. Est-ce que je peux pas le lancer d'ici, mon avion, moi? Ah non, évidemment, c'est pas possible. Bon, bah là, avec 2600 de force, j'espère qu'on va avoir la possibilité, hop, d'avoir 10 000 coins directement pour acheter. Waouh, ok. La puissance de fou! Je veux les 10 000 coins direct, comme ça on change d'avion. Non, ok. Il va falloir peut-être un petit peu plus que ça. Alors, est-ce que ça vaut le coup, du coup, d'acheter éventuellement les prochains pets qui sont à 1000? Ok, ouais, ça peut valoir le coup. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ce sont des pets en V, comme ça, avec un cerf. Ok, est-ce qu'il est bien celui-là, ce cerf? Ok, 600, c'est pas mal. Alors, les prochains pets sont à 5000, donc tant qu'à faire, je vais lancer juste une seule fois l'avion. Et, oh, c'est presque imperfect, hein. J'ai pas été dans le violet encore, par contre. Oh! C'est largement suffisant pour atteindre les 2000 studs déjà. Ouais, donc on va un petit peu zapper les pets à 1000. On va prendre directement ceux à 5000. Mais attendez, il faut que j'achète un nouvel avion là. Il faut qu'on change d'avion, c'est plus possible. Oh, quoi? Attendez. C'est incroyable. Mais non, j'ai eu celui, le meilleur. Celui à 10%. Qui permet d'avoir combien? Il permet d'avoir 4000. Mais c'est n'importe quoi. Ah, on peut avoir 4 pets en tout déjà. Oh, tellement bien alors que j'ai rien dépensé en Robux à part le VIP. C'est parti! Ah, c'est peut-être le VIP qui m'a donné un plus 1 pet. Hein. À mon avis, c'est 3. Waouh, ok. Oh! Pourquoi on a été moins fort? Pourtant, j'avais l'impression d'être quasiment au milieu. Bon, c'est pas grave. On va reprendre un pet à 5000 dès que possible. Oh, ça y est! J'ai enfin fait le God Throw! Le lancer de Dieu, les amis, qui normalement. Attendez, pourquoi j'arrive pas à dépasser. Ah, si, c'est bon. 2370, je croyais que j'étais avant les 2000. Bon, allez, encore un lancer et on change d'avion. Et après, on achètera des pets. Parce que vraiment, les pets à 5000, ils font vraiment la différence. C'est parti! Alors, ça donne quoi? Ah là, c'était moins bon, j'ai même pas dépassé les 2000. Donc allez, direct, on change. Hop, notre petit avion en papier, on passe à celui-là. Alors, il a 50 de fuel, comment ça? Attendez. Oh, on va avoir la possibilité de les projeter en l'air à 10 de puissance. Ah, et l'autre avait 0. Ah oui, d'accord. Mais attendez, mais il va être 10 fois plus puissant, du coup. On va tester ça immédiatement. Il faut faire un bon lancer pour ce premier lancer avec ce nouvel avion. Attention, c'est parti. Oh, c'est un God Throw. C'est parti. Alors, j'ai la possibilité donc de boost. Oh. Waouh, ok, cet avion fait clairement la différence. On a maintenant atteint les 7000. On a fait un lancer 4 fois plus puissant presque. C'est n'importe quoi. On a donc la possibilité donc de prendre directement 2 pets à 5000. Bon, évidemment, on n'aura pas des légendaires cette fois-ci, je pense. Attention. Ok, on a une petite souris en commune. Et le troisième pet à 5000, ça donne quoi? Un ours polaire épique. C'est déjà pas mal. C'est 15% de chance. Les amis, cette vidéo commence tellement bien. On a tellement de chance. C'est juste abusé. Maintenant, si je lance, on passe à combien? Oh, encore un God Throw. C'est parti! Hop là! Ok, est-ce qu'on va réussir à atteindre les 10 000? Peut-être pas quand même. Ah, mais attendez, j'avais pas équipé mes pets? Si, je les avais équipés. Ah, si, je les avais équipés. Bon, on a fait moins bien, je sais pas pourquoi. Ah, je crois que c'est parce que le. En fait, la course, elle était terminée. Et du coup, je pense que ma force, elle était revenue à 7900, à ma force de base. Donc, du coup, on va se remettre bien, on va tout ramasser avant que la course elle redémarre. Parce que là, regardez, en ramassant quelques trucs, je suis déjà passé à 15 000 de force. Ah, mais cela, il donne presque plus. Ah, ça y est. C'est de 1000 en 1000 maintenant, donc on le voit à peine monter. Et attendez, on a un petit trou à faire tourner. On va voir ce que ça donne. Des potions. Oh, c'est vrai que j'ai pas trop dépensé de Robux pour l'instant. Un pet exclusif à 75 000. Quoi? Waouh! Mais vraiment, ma chance, c'est continue, c'est abusé. Encore un? Non, deux fois de suite? C'est impossible. Non, ok, fois deux coins, par contre, ça va nous mettre tellement bien. Waouh, les amis, j'ai un pet à 75 000. Ce qui veut dire que là, notre prochain.
C'est rien que je ramasse. C'est rien. On ramassera des trucs à la prochaine zone qui rapportera plus. Là, normalement, on va avoir un lancer de fou. Attention, c'est parti. Boum. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bam! Oh, oh, oh. Wow! Attendez. Ah, mais j'ai terminé. Ah ouais, la course, la première course, ça va jusqu'à 10 000. Je l'ai terminé 4 fois. Peut-être une cinquième. Allez, une cinquième fois. Oh, presque. Quel dommage. Bon, du coup, ça m'a permis d'avoir combien? 154 000. Il nous faut 1 million pour passer à la prochaine zone. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas changé encore de... Trop changé d'avion. On va passer à celui-là en or. Qui n'est pas tellement plus puissant. Il a autant de puissance, mais il a juste un petit peu plus de fuel. C'est pas énorme. Et alors, le meilleur, il a 80 milliards. Oh, ah, mais c'est un... Ah oui, c'est un rafale, le truc. Mais 3000 de puissance, c'est n'importe quoi, ce truc-là. Allez, c'est parti. Un petit perfect. Et regardez, les amis, j'ai une petite surprise. Oula, petit boost, tac. Ça va le faire. Une petite surprise. Combien? 4 tours, 5e. Non. On va aller dans les cadeaux. Donc, j'ai 500 coins, c'est que dalle. J'ai un free spin, c'est cool. 25 000 coins, c'est pas mal. Mais on a encore un OP pet à réclamer ici, à 75 000. Ce qui va porter le total à 2. 500 000 coins ici. Et surtout, on a ce pet-là qui permet d'avoir 350 000. J'ai laissé tourner le jeu 30 minutes avant de faire ma vidéo. Comme ça, j'ai pu avoir tous ces cadeaux. Et là, les amis, on a donc ce pet-là. Ladybug à 350 000. Est-ce qu'on a la possibilité éventuellement d'acheter un pet à 35 000, 150 000? Ok. Tant qu'à faire, il vaut mieux acheter les meilleurs pets de cette zone. On en achète 3, histoire... Alors, attendez. Ça dépend s'ils sont meilleurs que mes 75 000. Non, ils sont pas meilleurs, ils sont à 12 000, donc du coup, bah c'est bon. Ça sert à rien d'en acheter, là je pense qu'on n'aura pas mieux que 75 000. On achètera dans la prochaine zone. En attendant, on a la possibilité de passer à celui-là. Et là, ça commence à être des avions en papier un petit peu plus custom. Regardez-moi ça. Oh, incroyable. Alors, c'était dommage que ce soit pas pointu au bout. Je sais pas si c'est mieux, mais une chose est sûre, c'est que là, on part sur un God's. Wow! Ah ouais, d'accord. On part sur 10 tours, 15 peut-être. Mais attendez, mais je... Oh! Ah ouais, j'avais pas vu que j'étais aussi haut. Je suis à combien de tours, là? Wow. Ah, mais je suis passé ailleurs, à 100 000. Je suis passé à la prochaine zone. Qu'est-ce qui s'est passé? On est passé une course plus longue maintenant. Pourquoi on est à 100 000? Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Je suis pas passé à la prochaine zone, pourquoi? Est-ce que j'ai fait bugger le jeu et je suis parti ailleurs? Ah ouais, non, c'est parce qu'en fait... Non, c'est ça. Là, il y avait un bug. Ah non, c'est dès que tu fais 10 tours, tu passes sur une course un peu plus longue. Ouais, c'est ça. Ok, c'est pour ça que je l'ai pas terminé après. Bon, très bien. J'ai oublié le boost. Oula. Oh, le pétard mouillé, quoi. Bon, alors là, je sais pas trop c'est quoi la priorité. Est-ce qu'on change de... D'avion? Ah non, c'est 2 millions. Autant prendre la prochaine zone. À mon avis, on va avoir de la plus de puissance au sol. Là, déjà, regardez la vitesse à laquelle je progresse lorsque je ramasse des trucs au sol. Ok, on va à la prochaine zone et on va ramasser tout ce qu'il y a. Donc, c'est parti. Est-ce qu'on est avec tout le monde ou pas? Ah oui, on reste avec tout le monde, donc c'est parfait. Et on va pouvoir réclamer tout ça. Et les amis, j'ai même pas pris de potion. J'ai même pas trop dépensé de Robux pour l'instant et on progresse tellement bien. Ah, mais attendez, elle est passée où ma potion de tout à l'heure là? Que je l'ai bu, j'ai même pas fait gaffe. Enfin, moi je l'ai pas bu, mais est-ce que ça me l'a mis automatiquement? Bref, rien à faire, je les achète de toute manière. J'allais les prendre. Bon, vous avez vu la chance qu'on a depuis tout à l'heure? Eh ben, je vais rajouter 2 fois plus de chance. Donc, autant vous dire que là, si on n'a pas les meilleurs pets de chaque œuf, je ne comprends pas. Allez, c'est parti. On boit tout ça. Tac, tac et tac. Après, il y a quoi d'autre? Oh, il y a le méga plane. Je sais pas s'il est mieux que l'autre. Ah, il n'y a pas tellement de trucs dans la boutique. Donc, au moins, on va tout prendre. On va tout prendre, on va prendre le méga magnet aussi, comme ça on va pouvoir tout prendre directement, tous les origamis qui sont au sol. Ça, ça va être tellement bien. Alors là, 4 pets en plus, ça va être n'importe quoi. Bon, je les ai pas achetés encore, mais... parce que là, les pets que j'ai de côté, ils sont pas assez bons pour l'instant. Bon, le méga luck, on verra ça tout à l'heure. Quoique, équipe best. Alors ouais, là du coup, ça sert un peu à rien ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. On va en acheter et ça va tout changer. Le perfect. C'est parti. Oh, mais même sur cette nouvelle zone, on est tellement puissant. Mais attendez, mais la gravité est pas censée être plus difficile ici, je sais pas. On est trop fort, mais regardez la beauté de mon truc. Oh, bon, c'est pas censé... quand ça tourne comme ça, c'est pas censé aller aussi loin, mais... On est à combien? Ok, on a gagné 2... On est à 2 millions 8. Et on a donc la... C'est les mêmes avions, du coup. Ah, ok, c'est les mêmes avions pour chaque zone. Ok. Donc là, on a celui-là qui est plutôt sympa en noir. Je le voyais en marron, bah, je préfère largement en noir, comme ça, avec la petite lueur rouge. C'est très, très stylé. Ah, mais surtout, les amis, on a la possibilité de... De faire des rebirths, évidemment. Alors, ça sert à rien que je les fasse. Parce que, attendez, c'est combien? C'est 1000. Ah ouais, je vais dépenser tout mon argent. Donc, autant acheter des pets, autant tout dépenser dans des pets, par exemple, à 500 000. Et je peux en acheter qu'un seul. C'est ça le pire. Hein. C'est parti! Le bees. Ah, c'est une abeille verte. Elle donne combien, celle-là? Elle donne 60 000. C'est énorme. Bon, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va faire le rebirth. J'espère garder mes coins. Attention, non, j'ai tout perdu. Ok, je vais faire quelques lancers, quelques rebirths. Parce que les rebirths, quand même, permettent d'avoir plus de 40% de coins. Donc, autant vous dire que c'est énormissime, les amis. Si on a 40% à chaque rebirth, ça va être n'importe quoi. Donc là, je vois que le premier du serveur, il a un tout petit peu plus de distance que moi. Et en fait, il arrive à...
Il a eu 11 rivers, donc autant vous dire que je vais tous les faire. Il faudrait juste que je fasse des petits lancers, même s'ils sont complètement ratés, c'est pas grave. Là, j'ai fait un bad. Hein. Oh. Même le bad, c'est abusé. Parce que en fait, j'ai pas besoin de tout cet argent là. Ah, c'est bon, pendant que je lance, en fait, j'ai la possibilité de quand même me balader dans la map. Donc, j'achète un pet, tant qu'à faire. Comme ça, on fait le rebirth et on perd tout notre argent après. La Queen Bee, incroyable, légendaire, encore une fois. J'ai jamais eu autant de chance dans un simulateur, les amis. On va vraiment, vraiment avoir la puissance la plus folle qu'on ait jamais eue. Bon, écoutez, je fais quelques rebirths et on se retrouve juste après. Oh là, ça part tout seul, du coup. À la limite, je vais faire tourner la roue du hasard. J'espère. Oh, hop, non, peut-être pas. Un pet à 75 000. Ah, oh, le pet à 350, par contre. Ça pourrait être pas mal. J'ai eu 250 000 coins, mais ça sert à rien puisque je vais rebirth encore. Attendez, j'ai 1 800 000. Est-ce qu'on pourrait pas acheter un pet à 3 millions? Non, pas encore. On va racheter un petit pet comme ça ici, histoire de compléter la team. On a une nouvelle petite abeille. C'est que des abeilles ici, apparemment. Et il y a la reine qu'on a eue. Et on a, voilà, là, on a des petites ouvrières. Bon, et tant qu'à faire, je vais prendre le méga luck. Tac, c'est parti. 550 Robux, comme si on en avait pas assez de la chance. Un rebirth encore. Boum, je suis à combien là? Je suis seulement à 5 rebirths, hein. Bon, bah, je dois en faire encore quelques-uns. Ouais, je vais arrêter de faire des rebirths maintenant. Ça tombe bien, la course s'est terminée. Maintenant, c'est 1 million, donc on va attendre un petit peu pour l'instant. Je vais essayer vraiment de battre mon record et d'atteindre une puissance de fou. Et là, surtout, il nous faudrait 15 millions pour pouvoir passer à la prochaine zone. C'est qui les plus puissants du monde? Ah là, il y en a sur le serveur. Enfin, pas sur le serveur, mais dans le monde qui ont réussi à faire 32 milliards de distance. Oh, 32 milliards! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, niveau pet, on est bon ou pas là? J'ai équipé tous mes meilleurs. On a vraiment une équipe de dingue. On a une base à 762 000 et on a atteint les 5 millions de puissance. Mince, attendez. Hop là, voilà. Oh, ok, j'ai fait 10 tours, 11. Et après, ça passe à combien du coup? Non, c'est toujours 100 000. Hein. Dès qu'on a fait les 10 tours. Et est-ce qu'on va réussir à en faire 20 avec le rebond? Non. Les rebonds sont pas assez incroyables, malheureusement. Oh, allez, encore un, s'il vous plaît. On va y arriver. Ah, presque 90 000. Bon, bah là, les avions commencent à coûter cher. C'est 10 millions le prochain. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter deux pets comme ça. Et là, vous allez voir, la chance, elle va encore une fois opérer. C'est sûr à 100%. Je veux du jeune, je veux du jeune. Oh, on a eu du jeune, du légendaire. Oh là là, la dinguerie. Attendez. Combien il donne celui-là? Équipe tout le monde. 250 000. On commence à être sur des pets très, très intéressants. Et j'ai tellement de chance que là, on va avoir au moins un rare ou épique. On a encore eu un légendaire, c'est n'importe quoi. On a 5% de chance de l'avoir, avec le x2 on passe à 10%. Et avec le méga lucky, je sais pas combien on passe. Mais les amis, la chance est vraiment avec nous, hein, c'est sûr. Hein. Même sans dépenser de Robux, j'avais gavé de chance. Allez, c'est parti. On va monter à combien là? Bon, pas énorme, hein. Pas énorme. Il faut que j'aille ramasser des petits origami quand même, parce que c'est vraiment ça vaut le coup. Alors j'ai mis le lancement automatique, comme ça moi j'ai la possibilité d'aller tout ramasser. Pendant que, hop, mon avion fait que partir. Comme ça on va pouvoir passer aux 10 millions, acheter le prochain. Et hop là. Alors, le problème, c'est que du coup, j'ai ma... Ah, attendez, c'est qui part là-bas? Ah, je peux pas le lancer si je suis ici, du coup. Ah, mince. Là, je l'ai récupéré et en fait, il va aller courir. Ah, mince. Donc, du coup, je peux pas lancer en boucle. Par contre, on a quand même les 10 millions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe à la prochaine zone ou pas? Non. J'ai envie d'acheter le prochain avion. On achète le prochain avion et après, on se fait la prochaine zone. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que ça donne? C'est celui-là. Oh, ça commence à être du sérieux, là. Et c'est pas des doubles feuilles, hein. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à faire des avions en papier avec plusieurs feuilles. Bon, là, c'est un. Là, c'est celui que je vais faire, quoi. C'est le basique. Mais dans le jeu, il n'est pas basique du tout, vu qu'il nous permet d'avoir une puissance de 300 et 120 de fuel. Donc là, on n'a jamais eu autant de boost. Hein. Hop là. Ah, quasi le guts, bro. Alors, mince, j'ai plus envie. Waouh. Ok, on a atteint les 15 laps très, très, très rapidement. Oh. On va faire les 20. Hein. On va faire les 20 tours. Et on passe maintenant à une course qui est passée à 1 million. C'est n'importe quoi. Bon, alors là, je vais gagner énormément d'argent. Je sais pas combien. Je suis à 1 million. Je vais peut-être monter à 15 millions directement pour passer à la prochaine zone ou pas. 14 millions, je suis obligé de refaire un tour juste pour avoir la prochaine zone. Allez hop, un petit perfect. Ok, let's go. 15 millions pour la prochaine zone. Alors, c'est combien le prochain avion? Parce que j'aurais peut-être pu l'acheter aussi. C'était combien? Alors, c'était 30 millions. Oh! Waouh! Ok, pour l'instant, celui-là, c'est mon préféré. Un véritable aigle, on dirait un aigle. Oh, incroyable. Alors, attendez, on va ramasser tout ça. On est à 12 millions de puissance, on a une base seulement à 1 million. Est-ce que vous vous rendez compte à la puissance des origami? Ça vaut tellement de coups de les ramasser. Hop là, on prend tout. Alors là, le pet ici, c'est combien? 5 millions et 15 millions. Bon, je vais en ouvrir un comme ça pour le plaisir, mais on va directement acheter des 15 millions. Franchement, je pense qu'on va en avoir la capacité. Oh, encore. En fait, j'ai que du légendaire, là. En fait, je suis à 100%. Non, j'ai lancé. Pourquoi j'ai lancé? Waouh, je suis à 100% de chance d'avoir les légendaires, en fait. On est passé de 5% à 100%, vraiment. Je comprends pas. Bon, alors, 469 000, celui qu'on vient d'avoir, là. Oh. Alors, imaginez la puissance de ce qu'on va avoir à 15 millions. Alors, lance pas, surtout ne pas cliquer. Voilà, sinon il repart. C'est bon. 15 millions le coût du pet, en espérant que ce soit encore un légendaire. Et c'est encore un légendaire. J'ai que ça. Alors, combien il donne? 825 000. Attendez, c'est un slime. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un cristal. Waouh, il est incroyable. Il est trop stylé. C'est pas un slime.
petite décidée quand même. Allez, on passe à 22 millions de puissance. On va lancer un petit... on va essayer de faire un God Throw pour voir à quelle puissance on peut aller. Ah, vite, il faut se dépêcher, ça va reset. Attention, c'est parti. Bam. Oh, le perfect quasi God Throw. Sep. Oh, oh. Wow. Ok. On a fait 20 tours, ça y est. On passe à la course à 1 million qu'on va réussir du coup. Boum, une fois. Pas deux fois malheureusement. Ah, quoique, avec le rebond. Et si deux fois, c'est réussi. Incroyable. Mais niveau distance, on est à combien là? On est rendu à... Attendez. Top distance. On avait fait 1,8 million, on est à 3,3 millions. C'est pas mal du tout quand même. Hein. Bon, ça reste loin de l'autre qui a fait le milliard, mais bon. Pour l'instant, c'est très bien. Allez, normalement, j'achète un nouveau pet et on devrait avoir assez pour acheter le prochain avion. Et oh, encore un légendaire. Allez, équipe-moi ça. On y va. Bon, là, je pourrais acheter que des pets à 15 millions. Il serait forcément meilleur que tous ceux que j'ai. Bon, là, il nous faut absolument les 30 millions d'argent pour pouvoir acheter le prochain avion. Ok, on a 43 millions de coins. C'est parfait. Donc, on achète celui-là. Qui double quasiment sa puissance. Il a pas tellement plus de fuel, mais bon, c'est pas grave. Bon, en vrai, la puissance est plus importante. Regardez-moi ça. La petite boule rouge, là. Non, vraiment, vraiment, l'aura est incroyable. Bon, est-ce que je m'embête à ramasser des origami? On les ramassera après, je pense. Ça vaut plus trop le coup. Quoi. Allez, vas-y, je suis là. Je prends. Oh, ah ouais, les rouges valent vraiment, vraiment le coup. 37 millions de puissance. Est-ce que vous êtes prêts pour un lancer incroyable? Il nous faut 100 millions de coins pour passer à la suite. C'est énorme. Allez, vous. Bam. Ah, j'ai été un peu vite. Hop là. Waouh. On a fait 10 tours très rapidement. On a fait 20 tours très, très rapidement. Et là, par contre, c'est un peu plus galère. Mais au moins... alors, attendez. Ah, je suis déjà en train de redescendre, là. On va pas faire beaucoup plus, finalement. Parce que, regardez, je suis à 4 millions. On avait fait 3 millions 7 juste avant. Ouais, je pensais qu'on allait faire mieux. C'est pas grave. 4 millions 4. Ça reste quand même assez énorme. 35 millions d'argent. En fait, il faudrait que je fasse plein de rebirths. Donc, ce qu'on va faire, les amis, c'est que... Waouh, je vais en faire plein et on se retrouve juste après. Oh, les amis, j'ai bien envie de tenter un truc. J'ai fait 3 ou 4 rebirths, mais on va prendre directement le méga plane. Ah, c'est celui de la boutique, alors. Et c'est un avion en papier qui ressemble à une flèche. Et il est incroyable. Je pense qu'il est possible de le faire dans la vraie vie. Je ne l'ai jamais vu, mais on l'a. Ça y est, attendez, il faut que je l'équipe. Il nous permet d'avoir 10 fois plus de puissance par rapport au précédent et 2 fois plus de fuel. Le voici. Oh! Wow, ok. Alors là, il faut qu'on voit le prochain lancer. Alors attendez, le problème, c'est qu'on va le rater vu que j'ai... Ah non, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est parti ou pas? Oh, c'est parti. Oh. Let's go. Ah non, j'avais plus de puissance. Ma puissance était réinitialisée, du coup, on va pas aller si loin que ça, en fait. Oh. Ah, dommage. Il faut que j'aille ramasser des origami. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai les 100 millions de coins, je vais prendre la prochaine zone parce que on... Ici, on gagne pas assez d'argent à mon goût, donc du coup, on va pouvoir passer à des pets à 30 millions ici. Et pourquoi pas à 100 millions, 150 millions. Mais là, on a vraiment intérêt à gagner énormément d'argent ici, sinon ça va être compliqué. C'est bon, un God Throw, ça c'est parfait. Boom. Ok, on fait beaucoup de tours encore une fois. On passe à la partie à 1 million maintenant. Allez, on va voir combien on gagne. Alors là, pour l'instant, ok, j'ai 35 millions de force, donc ça c'est pas mal du tout. On va laisser mon avion partir. Nous, on va s'occuper de quelques trucs. Attendez, on va regarder s'il redescend. Ah, s'il redescend. On va prendre tout ça, on va essayer de passer à 40 millions. Ah, il reste que 2 minutes 40. Alors là, vraiment, il faut que je me gave en origami avant la fin pour qu'on fasse vraiment un record. Hop, hop, hop. Ok, 64 millions, c'est pas tant que ça. Hop là, c'est parti. God Throw, encore une fois, incroyable. Bon là, je sais pas trop si j'achète un pet à 150 dès que j'ai assez. Ou wow, sinon, j'achète comme ça. Allez, on va en acheter quelques-uns comme ça parce qu'ils seront forcément meilleurs que ceux que j'ai déjà. C'est parti. Oh, ça y est, j'ai pas eu de chance. J'ai eu un épique. Ah, quel dommage. Allez, maintenant que des légendaires, c'est sûr à 100%. Ok, légendaire. Ah, mais après, j'ai plus la potion de chance. Attendez, la bleue, c'est la chance? Si, j'ai peut-être la potion de chance encore. C'est parti. Qu'est-ce que c'est épique encore? Ah, non, c'est peut-être la verte, la chance, alors. Aïe. Légendaire encore, le Yeti. Ah, ça y est, c'est fini. Il donne combien, ces petits noobs? Il donne 1,5 million. Ok, c'est pas mal du tout. On est à 60 millions de puissance en tout. C'est parti. Ok, qu'est-ce que ça donne? Waouh, un très, très joli lancer. Les 20 tours sont faits. On va... Le boost, il est incroyable. Il dure tellement de temps. 22 tours. Ah, c'est pas encore assez à mon goût. Hein. Mais là, le problème, c'est qu'on va réinitialiser toute notre puissance à cause de la zone qui va reset. Bon, en tout cas, les amis, voici les 4 avions qui va nous manquer. Il y a celui-là qui est très joli. Il y a le jet qu'on avait vu, évidemment. Il y a celui en doré comme ça qui est vraiment, vraiment très stylé. Notre flèche est vraiment cool aussi. Mais bref, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, gros pouce bleu juste en dessous. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Red Kill. Et... Ciao tout le monde! Et bam!